Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Annie Farag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes, presque 45 minutes qui sont de l'âge de cette nouvelle édition de votre émission, presque quotidienne, directe, votre centre sur le monde égyptien, votre fin sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les, si je puis dire, dernières 48 heures ou 24 heures. Justement, aujourd'hui, il y a trois questions à proposer. Premièrement, pourquoi la visite de M. le président de l'État Sisi acquiert d'une grande valeur, quels sont, bien sûr en Arabie Saoudite, quels sont les accomplissements réalisés par la femme égyptienne dans l'ère du président actuel, et ça à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, et enfin, est-ce que la présidence égyptienne de la COP27 intervient dans une situation très critique où le monde est menacé non seulement par la pollution de dioxyde de carbone, mais aussi par les menaces nucléaires. Mais avant de commencer de traiter ces trois questions, permettez-moi de vous proposer cette nouvelle. Le président Abdel Fattah al-Sisi, commandant suprême des forces armées de l'Égypte, a délégué le général Mohamed Zeki, commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, pour poser une gerbe de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces armées. Et ceci dans le cadre des cérémonies organisées à l'occasion de la journée du martyr et de l'ancien combattant. Le général Zeki a en outre posé une gerbe de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu. D'autre part, les forces armées ont rendu hommage aujourd'hui aux martyrs de devoir des forces égyptiennes de maintien de la paix au Mali. Selon l'ONU et l'armée malienne, deux casques bleus égyptiens de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, et deux soldats maliens ont été tués martyrisé plutôt hier dans deux événements distincts au Mali. D'autre part, on trouve que le président égyptien a mis l'accent aujourd'hui sur l'importance de poursuivre les efforts en vue d'unifier les rangs arabes pour faire face aux défis qu'affronte la région. Monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que la sécurité du Golfe est une partie intégrante de celle de l'Égypte. Le chef de l'État a lancé de telles déclarations aujourd'hui matin, bien sûr, lors d'un sommet tenu à Riyad avec le roi Salman bin Abdelaziz al-Saoud. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué ce mardi une visite officielle à Riyad en Arabie Saoudite. Au cours de cette visite, le chef de l'État a rencontré le roi Salman ibn Abdelaziz al-Saoud, roi de l'Arabie et gardien des deux saintes mosquées. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée pour le président al-Sisi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la visite du président al-Sisi en Arabie Saoudite s'inscrit dans le cadre de la profondeur des relations égypto-saoudiennes et des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays frères à tous les niveaux. Le président al-Sisi s'est également entretenu avec le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz al-Saoud, prince héritier et vice-premier ministre, ministre de la Défense. Le prince Mohammed bin Salman a salué la visite du président al-Sisi, exprimant l'appréciation du royaume pour la direction et le peuple égyptien, et louant la fraternité sincère et les relations historiques étroites qui caractérisent les relations entre les deux pays. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a également salué le rôle central de l'Égypte dans le soutien à la sécurité et à la stabilité des pays arabes et les efforts déployés pour promouvoir une action arabe conjointe à tous les niveaux, soulignant le souci de l'Arabie Saoudite à continuer de faire progresser les relations distinguées avec l'Égypte dans divers domaines, notamment au niveau de l'économie, de l'investissement et du développement. Le président al-Sisi a pour sa part exprimé sa joie de visiter le royaume d'Arabie Saoudite, soulignant la fierté de l'Égypte pour les liens historiques qui unissent les deux pays et les deux peuples frères et l'appréciation de l'Égypte au niveau officiel et populaire pour les positions de l'Arabie Saoudite en faveur de la volonté du peuple égyptien et de ses efforts de développement. Le président al-Sisi a également affirmé l'intérêt de l'Égypte à renforcer la communication continue entre les deux pays frères par le biais des visites mutuelles et à veiller à ce que ces visites aident à accroître la coopération et la coordination entre les deux pays.
L'entretien a aussi porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de soutenir le partenariat entre les deux pays, surtout au niveau économique et d'investissement, d'une manière qui réalise l'intérêt commun et mutuel. Les discussions ont également porté sur l'évolution d'un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux, ainsi que les questions d'intérêt commun, telles que l'importance de renforcer l'action arabe commune pour faire face aux différents défis auxquels la région est confrontée et d'intensifier la concertation et la coordination des positions entre les deux pays. Dans ce contexte, le président Assisi a souligné que la sécurité nationale des pays du Golfe fait partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. L'importance d'assurer la sécurité de la mer Rouge a également été évoquée, car il s'agit d'un pilier fondamental du mouvement commercial régional et international qui nécessite des efforts concertés des pays riverains pour y garantir la liberté et la sécurité de la navigation.